the freedom of I have. You see. When things were bad, he came to find me where I was. The result, this was an angel of God. Amen. Malgré l'absence du brigadier général Gazana Emmanuel, l'événement a été marqué par la présence de hauts responsables gouvernementaux de l'Ouganda et du Rwanda. Des cérémonies ultérieures sont attendues à Kigali. Les reportages dans les journaux de Kizoro, y compris les rapports sur les réseaux sociaux, n'ont pas mentionné les noms de hauts responsables gouvernementaux du Rwanda qui ont participé à cette cérémonie. Espérons que Kagame a permis à la femme de Gazana, Donna Kamashazi, d'y assister. Une distinction notable entre l'Ouganda sous Museveni et le Rwanda sous Kagame devient évidente. En Ouganda, si des individus comme Kayihura ont des problèmes avec Museveni, d'autres responsables n'hésitent pas à assister à leurs événements. En revanche, si Kagame prend des mesures punitives contre l'un de ses généraux au Rwanda, tout le monde hésite même à lui rendre visite. Beaucoup de gens au Rwanda craindront probablement d'assister au mariage du fils de Gazana en raison des craintes de représailles potentielles de Kagame. Is our hero as a family, as a community, even I should say as a country. Yes. Even I should have as Africa. Yes. So it means a lot to me personally. The freedom of I have is here. When things were bad, he came to find me where I was, and I thought this was an angel of God. And I believe as long as I was not free, he was not free. So, when I invited him, I wasn't sure that he would come, because he's very busy. But I was elated when I got a message from him that he will be here today. In spite of his very busy schedule. And to show that he had a this occasion important, he came with his dear wife, Charlotte. So honored and proud to have you. I want to tell a story about this one. We have a home in this place until 3 days ago. We used to stay in the university right there. This man helped me. General Mosca Inerugawa. What I have to say about you is our hero as a family, as a community, even I should say as a country, even I should add as Africa. So, it means that it has meant a lot to me personally, the freedom of I have is here. When things were bad, he came to find me where I was, and I thought this was an angel of God. Amen. And I believe as long as I was not free, he was not free. So, when I went
invited him, I wasn't sure that he would come because he's very busy. But I was elated when I got a message from him that he will be here today. In spite of his very schedule, his very busy schedule, and to show that hearing every occasion important, he came with his dear wife, Carol. So honored and proud of you. Bonjour et bienvenue sur Africa Flash. Dans cette vidéo, nous avons pour objectif de vous tenir informés sur la cérémonie de mariage traditionnel entre Tessy Ouibambe, la fille de l'ancien inspecteur général de la police, IGP, général RTD, Edward Kale Kayihura et Subahiro Gazana, le fils de l'ancien inspecteur général de la police du Rwanda, le brigadier général Emmanuel Gazana. Cette nouvelle est importante pour deux raisons. Tout d'abord, la présence du fils de Museveni, Muhuzi, à la cérémonie, ainsi que les déclarations faites lors de l'événement laissant entendre ses aspirations à succéder à son père. Ce développement est crucial pour la sensibilisation régionale. Deuxièmement, l'absence de Gazana Emmanuel à la cérémonie de son fils, prétendument due à son incarcération par Kagame sur des accusations fabriquées, met en lumière le manque présumé de compassion de Kagame. La cérémonie de mariage traditionnel de Tessy Ouibambe, fille de l'ancien inspecteur général de la police, IGP, général RTD, Edward Kale Kayihura, a eu lieu samedi à la résidence du général Kayihura à Nyakabande, dans le district de Kisoro. Le marié, fils de l'ancien inspecteur général de la police du Rwanda, le brigadier général Emmanuel Gazana, n'a pas pu y assister en raison de son incarcération par Kagame. Général Muhuzi Kainerugaba, le conseiller principal à la présidence pour les opérations spéciales, a assisté à l'événement avec son épouse, Charlotte. Dans son discours, Général Muhuzi a loué Général Kayihura en tant que grand ami, soulignant ses capacités de leadership. Abel Bizimana, président du conseil de district LC5 de Kisoro, a exprimé l'espoir de l'Ouganda en général Muhuzi Kainerugaba et a exhorté les habitants de Kisoro à le soutenir. La cérémonie a attiré une foule, notamment des personnalités telles que le docteur Chris Bariomunsi, ministre de l'ICT et de l'Orientation nationale, Sarah Mateke, ministre d'État chargée des enfants et des affaires de la jeunesse, le juge principal Flavian Zeija et d'autres leaders. Général Muhuzi, un proche ami de Général Kayihura, a été chaleureusement accueilli par l'ancien IGP à son domicile dans la municipalité de Kisoro. Général Kainerugaba est arrivé sur le lieu de la cérémonie principale après avoir salué les habitants ravis de le voir. Il les a remerciés d'avoir rejoint son ami pour l'événement et a promis de revenir pour interagir davantage avec eux. Au cours de l'événement, Général Kayihura a remercié Général Muhuzi d'avoir honoré l'occasion de sa présence et a également remercié son épouse. Général Kayihura a saisi l'occasion pour remercier Général Muhuzi de son rôle dans l'obtention de justice lorsque le général à la retraite a été blanchi des accusations auxquelles il faisait face. L'ancien IGP a exprimé sa confiance dans les qualifications de Général Muhuzi pour la présidence de l'Ouganda, soulignant ses contributions à la sécurité nationale et régionale. Dans son discours, Général Muhuzi Kainerugaba a mentionné l'esprit accueillant de Général Kayihura lorsqu'il a rejoint l'armée, louant sa fidélité constante au président Museveni, même en période difficile. Général Muhuzi a encouragé Kayihura à rédiger essais et mémoires, soulignant les avantages potentiels pour les Ougandais et partageant des histoires remarquables de son parcours familial, en particulier de son père qui a lutté pour l'indépendance de l'Ouganda, ainsi que de son propre travail dans les UPDF et la police. Il a également mentionné que bien que son père, John Kalekiezi, soit décédé jeune, il a laissé derrière lui un grand fils en la personne de Kayihura qui a accompli de grandes œuvres. Malgré l'absence du brigadier général Gazana Emmanuel, l'événement a été marqué par la présence de hauts responsables gouvernementaux de l'Ouganda et du Rwanda. Des cérémonies ultérieures sont attendues à Kigali.
les reportages dans les journaux de Kizoro, y compris les rapports sur les réseaux sociaux, n'ont pas mentionné les noms de hauts responsables gouvernementaux du Rwanda qui ont participé à cette cérémonie. Espérons que Kagame a permis à la femme de Gazana, Donna Kamashazi, d'y assister. Une distinction notable entre l'Ouganda sous Museveni et le Rwanda sous Kagame devient évidente. En Ouganda, si des individus comme Kayihura ont des problèmes avec Museveni, d'autres responsables n'hésitent pas à assister à leurs événements. En revanche, si Kagame prend des mesures punitives contre l'un de ses généraux au Rwanda, tout le monde hésite même à lui rendre visite. Beaucoup de gens au Rwanda craindront probablement d'assister au mariage du fils de Gazana en raison des craintes de représailles potentielles de Kagame.